Depuis le 16 février, Pékin Express est de retour pour une 17e saison sur M6. Parmi les binômes, Luc et Cyril, le couple breton éliminé à l'issue du deuxième épisode. Celui qui est professeur en lycée professionnel nous révèle en exclusivité avoir participé à d'autres émissions cultes et la télévision. La 17e nouvelle saison de Pékin Express, le choix secret a été lancé le 16 février dernier sur M6. Beaucoup de nouveautés sont au programme comme le choix secret, ou encore la roulette infernale. D'ailleurs, Stéphane Rothenberg se souviendra longtemps de cette édition, notamment à cause d'une expérience douloureuse vécue pendant l'aventure. Pour autant, l'émission offrira toujours autant de moments épiques, de grandes découvertes, et beaucoup d'émotions. Cette saison, 8 binômes ont pris le départ de l'aventure qui les emmène de la Bolivie au Paraguay et enfin au Brésil. À commencer par Nathalie et Energy, ce binôme d'inconnus que tout oppose, mais aussi Alexandre et Shirin, les amoureux stratèges, ainsi que Céline et son patron, Xavier. Il y a aussi le couple belge composé de Paloma et Jason, les sœurs Chien et Chat Laura et Alexandra, victimes d'hypoglycémie au début du jeu, Colette et Léa, qui ont été les premières éliminées, et le couple breton formé par Cyril et Luc. J'ai eu un accident de travail et j'ai fait une reconversion pendant 3 ans. Le binôme originaire de Quimper avait tenté les castings de l'émission de M6 en 2009 et 2019, mais si est en 2023 que les étoiles se sont alignées pour leur plus grand plaisir. Cyril est concepteur vendeur tandis que Luc est professeur en structure métallique, comme il nous l'a raconté. J'ai eu un accident de travail et j'ai fait une reconversion pendant 3 ans comme conseiller principal d'éducation et je viens d'avoir mon poste cette année. Je suis dans un institut pour enfants épileptiques à Paris dans un collège et ils sont tellement attachants, je m'éclate. Voilà, si est pour les 3 ans qui restent parce que là il faudra bien que je parte en retraite à un moment. Je suis fier d'être avec ces jeunes qui ont ce grand handicap. Nous confie celui qui vit dans le Finistère. Luc, Pékin Express 2023, a déjà participé à d'autres émissions télé mais si toutefois le visage de Luc vous dit quelque chose, ce n'est pas un hasard. En effet, si l'envie de participer à Pékin Express vient de lui, comme il nous l'a expliqué, si est surtout parce que le breton affectionne particulièrement les jeux télévisés. Je suis assez jeux télé. J'en ai fait quelques-uns. Dévoile Luc. Avant de nous révéler, j'ai fait plusieurs castings. Et j'ai participé à l'école des fans avec les deux grandes filles, le Bidil et Attention à la marche. Le compagnon de Cyril nous précise avoir gagné une Twingo au jeu animé par Vincent Lagaffe, et en finale de l'émission de Jean-Luc Reichmann, il a tout de même remporté une télé-écran plat. À lire aussi Cyril et Luc éliminés de Pékin Express 2023, il y a des stratégies qui sont mises en place, et nous, on n'a rien vu à lire aussi pas vu à la télé dans Pékin Express 2023, Luc s'est évanoui le premier jour d'aventure, les médecins sont intervenus à lire aussi Pékin Express 2023, pourquoi on ne voit jamais les candidats utiliser leur 1 € par jour pour manger ?